le cercle Vivienne recevait Jean-Louis Bancel, donc président du Crédit Coopératif et participant depuis longtemps à l'économie sociale et solidaire à de hautes responsabilités. Et donc l'objet du cercle Vivienne, vous le savez, c'est de tenter de poser les questions qui ne se posent pas ailleurs, sont jamais abordées parce que ne correspondant pas aux critères habituels qui sont ceux de la gestion ou des structures du secteur de la complémentaire santé ou de la complémentaire d'une façon générale. J'étais l'invité du Cercle Vivienne ce soir pour parler autour d'un thème qui était la mutualité au défi de l'ubérisation. Et ce que je voudrais retenir d'essentiel, c'est que aujourd'hui nous sommes, nous les assureurs, mais tout particulièrement les assureurs mutualistes, certainement contraints à sortir la tête du sable. Ce sable étant essentiellement un sable que j'appellerais technique, les problématiques de solvabilité 2, les problématiques de fonds propres, etc. C'est pas pour dire que ces questions-là n'existent pas, mais ces problématiques nous empêchent de prendre de la hauteur de vue et de voir que le monde bouge et que nous risquons à nous laisser enfermer dans ces problématiques, d'oublier de voir que ce que j'appelle des herbes folles sont en train d'apparaître, en particulier dans notre jeunesse, à travers des mouvements très marqués par des volontés de liberté individuelle, mais qui ne sont pas forcément qu'individualistes, qui vont peut-être réinventer, ou parler, faire un néologisme, disrupter, c'est le terme à la mode, la manière dont nous pensons que notre métier doit être exercé. Il est indispensable, me semble-t-il, de reprendre de la hauteur de vue, d'abord avec une certaine dimension historique, de ne pas croire que, par exemple, mutualité ne veut dire que santé, de se poser des questions de besoin, d'usage, des adhérents, des adhérents à une logique mutualiste, qu'il nous faut dépasser les problématiques d'outils pour vraiment revenir sur des sujets centraux et plus largement regarder les besoins dans la société telles qu'elles sont. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas échapper à se poser des questions sur la formation pour les études médicales, à se poser des questions sur l'accès au logement, la garantie sur l'accès au logement pour la jeunesse, les questions sur le revenu universel et des tas d'autres questions. Et qu'il y a des questions, des bouts de réponse sur les problématiques de Big Data, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'il y a un grand sujet à explorer, sur les problématiques aussi de phénomènes d'économie collaborative, de nouvelle économie, qui sont les endroits où, je pense, on va pouvoir faire une certaine forme de régénérescence mutualiste, coopérative, peu importe l'appellation. Mais c'est à nous, qui sommes dans ce camp où nous essayons encore de porter des valeurs, de leur tendre la main, de les accueillir et de leur donner la capacité à exprimer toute leur volonté et leur engagement. Voilà, pour l'essentiel, le débat de ce soir. L'apport de Jean-Louis nous a revigoré dans le sens où il a replacé l'optimisme de la raison au cœur de nos réflexions. L'idée que ce monde est susceptible de se renouveler et de combiner individualité, individu et solidarité est apparue de façon forte, aussi bien dans des discours j'allais dire à caractère idéologique, parce que l'idéologie a un sens encore aujourd'hui. La recherche de sens est une question fondamentale pour tous les acteurs, y compris pour la jeunesse, et au travers d'exemples concrets susceptibles de mobiliser la place. Voilà, l'objet de cette soirée. Le Cercle Vivienne va poursuivre son chemin. Remercie encore une nouvelle fois Ophi pour son accueil somptueux, qui chaque fois donne une couleur particulièrement conviviale et chaleureuse au débat. Et donc en septembre, les
débats du Cercle Vivienne vont reprendre avec force et vigueur.